Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et que va-t-on faire dans cette nouvelle vidéo? On va faire ce qu'on avait prévu depuis un moment, c'est-à-dire changer les feux arrière de Shelby. Du coup, on a commandé des feux chez Ancho. Chez Ancho, oui, les Eagle Eye, qui permettent d'avoir des, notamment pour le clignotant, d'un LED séquentiel. Donc on va mieux voir quand on tourne. Ouais, c'était un de tes souhaits depuis un moment. Et donc on va vous montrer le montage, on va vous montrer aussi l'unboxing des feux pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Et on va tâcher de monter tout ça. Alors, on va être aidé par des membres du Tesla Owners Club d'Occitanie. D'ailleurs, j'en profite pour replacer la solidarité du club. Oui, clairement. C'est super sympa. Du coup, ils nous ont proposé de nous filer un coup de main parce qu'eux ont déjà fait des manipulations comme ça, techniques sur leur voiture et que nous, on est quand même un peu des novices. Des quiches. Donc, on est des quiches. Donc, ils nous ont proposé gentiment de nous aider pour faire ça. Donc, on les remercie encore. Tu nous montres ce qu'il y a dans le carton. Allez. Unboxing des feux. Donc, on n'a rien déballé. On a juste ouvert le carton pour l'instant pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc, on va retrouver ici la notice. La notice en anglais, du coup. Ouais. Mais qui permet quand même... C'est relativement détaillé. Alors, on va voir si, quand on suit, on arrive à s'en sortir sans trop de soucis. Voilà. C'est en anglais, mais c'est relativement bien détaillé. Voilà. Nickel. Mais ensuite, on va retrouver les divers câblages. Alors, les divers câblages, effectivement. Là, on voit qu'on en a... Ouais, je ne sais pas tout ce que j'ai. Bon, on va voir de toute façon à l'assemblage. Et donc, on va retrouver... Attends, il y a encore un câble. Voilà. Et on va retrouver les feux. Donc, ils sont en deux parties. Tu as à chaque fois le haut et le bas. Exactement. Et ce qu'on voit déjà, c'est que par rapport à... aux feux actuels, ils vont être plus foncés. Ils sont déjà fumés, en fait. Celui-là. Non, si tu montes le bon, ça ira mieux. Voilà, d'origine. D'origine, ils sont déjà bien plus fumés que. Ouais. Ah, on va essayer de ne pas les fumer plus. On va essayer de ne pas les fumer plus court. Ouais. On va essayer que quand on repart, ça marche. voilà. On part confiant. On part confiant, toujours. On part confiant. Bon, alors, merci Olivier et Ludovic de nous aider pour le montage. Avec plaisir. Ouais, avec la... On va essayer de faire ça bien. Ouais. Bon, aujourd'hui, on est un peu la team bras cassés parce qu'on est 2 sur 4 à avoir le dos en compote. Non, tu me dis comment faire et je fais. Olivier, parce que... Non, mais il a mal au dos. Il n'est pas question qu'il reparte plus cassé qu'il est déjà. Même handicapé, ils viennent nous aider à faire le montage. C'est magique, le Tesla Owner Club. Bon, du coup, on commence par le démontage du coffre. Oh, ça enlève bien, le tien. On l'a jamais fait, d'ailleurs, celui-là. Si. Ouais, super bien. Démonté en 2 secondes. Tu tiens? Oui. Donc là, on défait le connecteur actuel. Hop là, c'est bon. Ça, c'est ouverture-fermeture, c'est tout. Oui. D'accord. Celui-là, il sert à rien. C'est juste que ça permet d'accéder ensuite au câblage pour les phares. Donc, Il faut enlever le petit rouge, non? Non, faut... Dis-moi. T'as l'air tout... Ouh. Hop, on va juste enlever le petit rouge, après ça se détache tout seul. Ah oui, ok, donc on déconnecte celui de dessus. Voilà. Et après on enlève le dos. Après tu vas voir les vis s'enlever. Non, ils ont l'air de dire que c'est juste un clic. Non, il y a des vis. Non, il y a une vis. Il y a une vis. Donc il y a la vis qui est là à retirer pour retirer le feu. C'est pas une vis, ok, c'est un... Oui, il y a un boulon, quoi. Déboulonnage numéro 2. Okay. Tu auras sûrement un peu de gris-gris à l'intérieur, mais c'est pas grave. C'est quoi ça, du gris-gris? Tu sais, quand t'oublies des pièces là. Ah oui, non oui. Non. Dis-lui pas ça là. Non. Ce sera plus silencieux. Là. Ah oui, du coup, ça vient direct. Il n'y a rien à déclipper. Avec ça là. Ouais. Ici. Ouais. En dessous. Ah. Il reste 2. En fait, ouais, il reste 2. Voilà. Bon, magnifique. Nickel. Ah, yeah. Voilà. Et ben voilà. Ça c'est fait. Fais attention à la tête. Oui. Ça c'était plus facile.
Oui. Peut-être que j'aurai moins de... Jusque là, tout va bien. Peut-être que j'aurai moins de buée, du coup. Ah, ça, on verra, ouais. Ça, enfin, d'ailleurs, on en avait un peu aujourd'hui. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a aussi un truc... Il y a une technique pour enlever la buée. En fait, il y a une technique. C'est les Anglais qui ont montré ça. En fait, c'est parce qu'il y a un problème de jointure, là. Ouais. Il y en a qui disent si c'est normal, il faut qu'il y ait de l'air, machin, que ça se balade. Enfin, bon, bizarrement, avec chez Tesla que ça arrive. Enfin, bon, voilà. C'est vrai. Et donc, en fait, il y a un truc, en fait, on refait le joint là, autour. Parce que là, c'est une mauvaise soudure en fait. Ah oui, mais du coup, ça les isole mieux. Voilà, donc en fait, il y a toute une procédure pour enlever la pastille, pour vérifier où ça bulle, refaire un joint, et après refaire le truc. Quoi. Ok, ça existe. Ça existe. Mais en tout cas, ils sont faciles à retirer, ceux-là. Ouais. Non, il y en a un là, il y en a un là. Près de. Tu veux que je la laisse comme ça? J'ai mis le bon. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Il est très peur. Bon, déjà, ça s'adapte nickel. C'est pas dommage. De quoi? Faut se clipper. De quoi? Bah après c'est la vis. Ouais, je pense que c'est la vis, ça va faire. Ouais, ouais. Après, faut visser. Faut vérifier qu'on est bien aligné partout, avec l'autre aussi. Ouais. Voilà. Ok. Oh bah après, là, il va falloir que tu dévisses, un minimum, hein, parce que... Le dévissage de ceux du bas. Commencer par... Hein? Les trucs moins chiants, quoi. De quoi? Hein? De mettre ça. Ah bah oui, attends, tant qu'à faire. Mais je crois que sur la note, c'est se mettre en dernier. Mais bon, moi je suis... On a fait pire. Faut pas... Tu sais, à moi, il faut pas me dire ça. Alors, l'important... Je suis inquiète. L'important, c'est à la fin, c'est quand tu lui dis « Ah, ça va tomber en marche ». C'est ça. Ça tombe souvent en marche avec nous. Hein. Moi, mon coffre motorisé à l'avant, hein. Il est tombé en marche aussi. Il est purement et simplement tombé en marche. Mais je crois qu'à peu près tous les freins qu'on a installés sont tous tombés en marche à un moment donné. Tu t'installes le truc, fais ah putain, ah non, ah non. Ah bah si, c'est bon, il est tombé en marche. On laisse tomber 20 minutes, on revient après, fais ah c'est bon, il est tombé en marche. On est censé prendre une clé, mais. De quoi? Pour enlever ça? Mais il a réussi à faire l'autre. Oui, mais... oui, non, mais. Oh là là. Bon, et je suis pas sûr qu'on devienne la chaîne référence pour le montage d'accessoires. Alors nous, non, mais eux, oui. On sera tes monteurs officiels. C'est pas un problème. Nous, non, mais vous, oui. On va s'arranger. Putain, c'est énorme. Hop là. Super. Bon, à la base, c'est la miss hein, qui voulait à tout prix changer de feu. Hein. Oui. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui. Pas de problème. Ouais, on peut s'arrêter là. Hein. Ça y est, ils sont changés. C'est bon, fini. Mais là, on ne me voit plus du tout. Non, mais je vais pas me faire rentrer dedans, mais je vous l'avais dit. Ouais. Je vais me faire rentrer dedans par un camion. Sur le téléphone. Ici. T'as un téton là. T'as le même de l'autre côté. Tu veux que je le fasse? Non, non, regarde. Parce que, non. Faut que là, tu regardes. C'est... Ouais, c'est un. À l'aveugle, ça marche pas très bien. Non. Tu enlèves le téton. Ils sont déjà chiants à enlever, alors tu fais ça à l'aveugle. Tu vas pas y arriver. Tu me fais rêver, chérie. Alors, je vois absolument pas comment on enlève ça. Vas-y. Alors, il me faut une pince. Je ne vois absolument pas comment on enlève ça. On va t'expliquer. Faut cliqueter. Mais tu peux pas. C'est profond. C'est non, à c'est l'intérieur. Pas. Non, en fait, c'est. Pas bon outil. Bon, ah c'est pas à dévisser. Non, ça se déclipse. Mais pour moi ça avait la même gueule que ça. Non. Coup, j'étais en train d'essayer de faire ça. Est-ce qu'il s'enlève les feux? Donc il y avait un écrou enlevé là. Bah j'en ai enlevé deux. Ah ouais, c'est ça. Faut peut-être ouvrir la trappe. Voilà. Ça y est, elle est ouverte, elle s'ouvre tout seule. En vrai. Il y en a pas d'autres. D'après toi, j'ai un clip par ici. Oui, il y a aussi deux clips, pareil. Reste assis, va. Ah, ouais. Faut que le feu tombe tout seul. Yeah! Voilà. Okay. Donc il y avait deux clips. Ouais, super. Donc il y a un écrou enlevé et deux clips, c'est ça? Deux écrous. Deux écrous? Ah oui, deux écrous. Deux écrous de clips. Un écrou sur l'autre, mais deux écrous sur celui-là. Sur ce du bas, ouais. Un petit coup de chiffon, pareil. Oui. Nettoyage. Chef. Ça passe la merde? Ah bah, toujours. Chez Ancho, ils vont pas être déçus du tuto, je te le dis moi. Je mets dans les... Ça y est.
Voilà, c'est pas assez. Ah, attends, pardon. Ah non, je sais pas. Je suis pas assez frotté. C'est pas assez joli. Oula, ouais, faut bien passer les fils ouais, aussi. Parce que les fils là, je les ai pas. Attends. Ça, c'est short. Alors, 1, 2. Ah, j'ai bien une place. 3. Monte, ouais, monte. Yeah. Attends. Si c'est bon, c'est bon. Ouais. Ouais. Ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal. J'ai bien les connecteurs. Okay. Non, par contre, on n'est pas sur les joints là. Mais en mettant les vis, non, ça va le. Non, on l'a pas clippé. Ah. Ah si, ça clip quand même. Ah bah. Je pense. Oh, oui. Ça a l'air bien pas mal aligné là. Bah, je sais pas, ça me paraît pas top top. Pardon. Du coup, attends, tu veux que je. J'essaye de pas le casser. Ah si, tu l'as bien inséré là. Alors, si, tu prends. S'il bouge plus, ouais. Je pense qu'il va s'aligner quand tu vas visser après. Ça a pas trop mal marché. Non, mais là, il tient. Non, mais il tient déjà avec les clips. Hein, mais... Comme ça. Tu veux que je resserre ? Là, là. Par le petit trou là ? Par l'intérieur ? Non, mais là. Là. Tu peux pas te tromper là. Je rentre là. Je rentre là. Alors, tu rentres. Là. Tu peux même rentrer là. Ici ? Ouais. Mais tu rêves toi ? Mais non, je rêve pas. Ah si. Et non, il rêve pas, ça passe. Donc là, on passe le fil vert et le fil noir du feu de gauche. Ah bah, je voilà. Ça. L'idée, c'est de le faire passer tout le long du coffre pour le ramener là-bas. Attends, non. Et ensuite, on le fera remonter par la gaine ou à côté, on verra si on veut pas s'emmerder. Une fois qu'on a branché le phare à gauche, il y a le fil vert à passer, le long connecteur noir. Donc on l'a passé nous directement dans le carénage de la Tesla pour le faire arriver de l'autre côté. Sur le phare de droite, il y a juste le fil noir court à brancher. Et ensuite, il faudra soit les faire passer dans la gaine, soit les mettre à côté. Attends, il y a le même des connecteurs qui est resté coincé à l'extérieur. Redescends un peu là. Là. Bien, là, voilà, bien, bien, ça me prend ses doigts. Putain, c'est beau. Quand ça passe. Donc, ça. Du coup, on a fait remonter tout par là. Donc maintenant, je vais remonter en haut pour le faire sortir ici, on est d'accord ? Même, tu le refais passer là ouais, voire même oui, au passé. Oui, j'y vais, j'y vais. Non, non, attends, reviens. Tu voulais faire quoi ? Déjà, on va pas s'emmerder à passer de longueur de fil. Hein. On peut en passer un peu moins. Mais tu veux... Ah ! Ah oui, d'accord. Alors... Je l'ai. Voilà, mais quand même... Tu deviens une pro, toi. Ah, super. Je filme Camille qui bosse, ça me fait rêver. Tu te régales ? Ouais. Ah, ça s'allume. Ça s'allume, ça marche. Mais ça, on est trop bien quand même. Voilà, tu vas finir Olivier. Hein. Mais non, tu les suis. Bon, voilà, ça c'est mieux déjà. Ça se balade pas. Ça balade, hein. Voilà. Super. Vu si c'est beau les clignotants. Hein. Mais ils se voient bien ceux-là. Ah bah oui. Je compatis que les autres, ouais, c'est un petit machin, c'est un peu un scandale quoi. Oui. C'est, on est d'accord ou pas ? Pourquoi ça sert à rien les clignotants ? Ouais, bah non, apparemment ça sert à rien. Les flèches ça sert un peu de temps en temps. Mais... Je vais t'emmener en moto puis je vais te montrer. Quoi servent les clignotants. Mais là c'est chouette. Ah, on remet la garniture du toit. En gros je peux pas sortir. Non. Mais t'es pas bien hein ? Je suis peut-être en chaud, mais je suis pas sûr. Alors, moi il était en face, on va être par là. Ah. T'as rebranché avant ? Non. C'est un peu rigolo que tu ne branches pas. Va pas désaligner le coffre. Non, moi je suis pas mal là. Écoute, Olivier, comment il force ? Je suis pas sûr que le coffre soit bien aligné après, mais...
Et normalement, il fallait pas remettre les picots dedans. Bah pas ceux-là. Ah, pas ceux-là. Ils tiennent pas. D'accord. Donc ça tient. Enfin, ça tient. C'est facile. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Attends. Ils sont quand même... Oula, voilà, c'est beau. C'est ça. Quand ça s'allume, ça fait... Mais je sais pas, c'est quand tu fais quoi. Ouais, ils allument tout simplement. Voilà, c'est beau. Ça, c'est les anti-brouillards. Donc, il y a des deux côtés maintenant. Ouais. Mais ça, c'était pas sûr. Hein. Ça dépend des versions. Hein. Marche arrière. Marche arrière, les deux aussi, du coup. C'est très bien. Ah, franchement, ils sont top. Non, mais ça, c'est des vrais clignotants. C'est des vrais clignotants. T'es contente? Ouais, carrément, ouais. Ça, c'est des beaux clignotants. Ça vous va? Ouais. Nickel. Super. J'ai sorti ça de la voiture au cas où. C'est pas bien. Au cas où. Bon, si quelqu'un veut partir là. Exceptionnel quand même, c'est quoi ça? Une carafe. Mais une carafe. Mais à l'alcool? Une carafe. Ah, mais c'est vendu avec de l'alcool dedans ou... Non, mais parce que je crois qu'ils faisaient une boisson. Le premier lot, en fait, c'était en effet une tequila. Oui, voilà, il me semblait. Voilà, c'était une tequila qui était servie. Et donc, voilà, où il l'appelait, enfin bon, bref. Et donc, c'est la carafe à tequila officielle de Tesla, c'est juste qu'elle est vide. Nickel, franchement, c'est magnifique. Alors moi j'ai ça. Du coup, on se retrouve à la maison pour débriefer un peu et vous donner 2-3 tips sur le montage. 2-3 choses qui nous sont arrivées et qu'on va vous expliquer pour pas que ça vous arrive. Pour pas perdre de temps et galérer un petit peu. Voilà. Bon, après non, on n'a pas vraiment galéré, on a eu... Ah, il a fallu monter dans un sens, dans l'autre, tester... Oui, alors on va expliquer pourquoi. Donc au final, le montage fonctionne, hein, comme vous l'avez vu, ça se passe très bien. Alors, on a mis les anciens feux sur la table pour vous expliquer le montage des nouveaux. Globalement, donc, déjà, pour faire un petit résumé, pour pas que vous vous preniez la tête, quand vous montez les feux de gauche, que vous les connectez, il y a 2 câbles à passer, le câble vert et le long câble noir. Pour les feux de droite, il y a le petit câble noir uniquement à passer. Donc, vous faites passer les 3 câbles le long du capot et vous les remontez en haut. Et ensuite, vous avez le branchement en Y, comme je l'ai montré tout à l'heure, et voilà. Olivier et Ludo ont eu une très bonne idée, d'ailleurs, avant de finaliser le montage. On a branché directement les câbles avant de les passer dans la voiture pour être sûr que tout fonctionne. Ouais. Et là, surprise, il y avait uniquement les feux de gauche qui fonctionnaient et pas les feux de droite. On a interverti les feux, et quand on passait le feu de droite à gauche, bizarrement, il fonctionnait. Alors, on va vous expliquer pourquoi. Quand vous retournez les feux, sur ce connecteur-là, là, le connecteur 4 pins... Sur les feux d'origine Tesla, vous avez des détrompeurs.
Sur les câbles qui sont fournis par, sur les feux qui sont fournis par Rancho, il n'y a pas de détrompeur, donc on peut les brancher à l'envers. Sur les câbles, oui, ah oui, non, sur les feux. Sur les feux, oui, sur les feux, il n'y a pas de détrompeur. Il n'y a pas de détrompeur. On peut les brancher à l'envers. Mais par contre, il y a un sens, c'est-à-dire qu'effectivement, si on les branche à l'envers, ça fonctionne pas. C'est juste que sur les feux Rancho, il n'y a pas de détrompeur, donc. Si vous branchez vos feux et qu'il y en a un qui ne s'allume pas, à tous les coups, c'est ce connecteur-là qui est dans le mauvais sens. Donc il suffit à ce moment-là juste de le retourner, parce qu'il n'y a pas d'indication sur le sens. Il y a un sens, mais on ne sait pas dans quel sens c'est. Non, ce n'est pas indiqué sur les feux Rancho, mais il faut juste le savoir. Voilà, il suffit de changer, si vous avez un problème de ce genre-là, il suffit de changer de sens ce connecteur-là. Et voilà, pour nous en tout cas, tout est rentré dans l'ordre une fois qu'on a eu changé, une fois qu'on a eu changé ce connecteur de sens. Ce connecteur, merci, de sens. Et donc, on se retrouve pour finaliser la vidéo. Bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est merci à Olivier et à Ludo. Et à Ludovic et Olivier. Merci. Franchement, merci beaucoup. Vous avez assuré. C'était pas simple et on a eu froid, tous. En plus, mais Olivier, il est dans le même cas que moi. Il a une hernie, mais il a quand même tenu à nous aider. Et vraiment, merci beaucoup. Hein. Ouais, franchement, c'est super sympa. Mais d'où, voilà, le club, quoi, ça fait aussi faire des rencontres vraiment. Je ne sais pas comment sont les Tesla Owners Club ailleurs, en tout cas, celui d'Occitanie. Si vous êtes de la région, que vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, parce qu'ils sont toujours prêts à donner de l'aide. C'en est impressionnant, franchement. C'est... Voilà, nous, à chaque fois qu'on a des questions, des besoins de conseils ou de se faire aider pour des choses, il y a toujours quelqu'un de dispo, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'était super sympa, en tout cas. Donc, on les remercie encore une fois. Alors, il nous reste à vous rappeler le prix de ces feux Eagle Eye Ancho. Donc, c'était le prix d'origine. $778, ça correspond à 681 à peu près euros. À cela, vous pouvez utiliser le code de réduction que Ancho nous a fourni pour vous proposer 15% de réduction. Donc, c'est CAMCED, C-A-M-C-E-D. Je vous mets le code dans le descriptif de la vidéo et sur la vidéo. Et du coup, ça nous réduit le prix à... Du coup, on tombe à 530 € à peu près. 530 €. Une belle économie quand même. C'est toujours ça de prix, quoi. Ah bah 15%, c'est prix, toujours non, ça là. Prix. C'est toujours ça de prix. Alors attention, c'est un produit qui vient de Chine, donc vous pouvez avoir comme nous, postérieurement à la livraison par FedEx, une facture pour les frais d'introduction en Europe en fait. Bon après, c'est pas énorme, ils nous ont facturé 17 €. Oui, voilà, ça fait 17 € supplémentaires. Voilà, donc bon, par contre, produit qualitatif, je pense que tu es assez satisfaite de résultat, encore une fois. Le résultat est pas mal. Le seul truc qu'on a remarqué, c'est l'alignement au niveau de la carrosserie. Bah, alors, on vous montrera ça en détail, hein, du coup, je pense que Cédric l'a bien filmé. C'est un petit défaut d'alignement, notamment sous la trappe de recharge. C'est pas violent. Non, c'est le feu qui rentre légèrement. Alors, je sais, oui, je sais plus si je l'ai filmé, je vous le montrerai. Mais c'est pas, faut vraiment avoir le nez dessus. En fait, le bas du feu rentre légèrement dans la carrosserie au lieu d'être à fleur. Voilà, exactement. Pas... Donc, ça fait un petit décalage en dessous de la trappe de recharge. Mais à part ça, non, très bien. Ils sont donc légèrement fumés, déjà d'origine, par rapport à ceux d'origine. Et ensuite, ouais, ça fonctionne très bien. Le clignotant avec les LED séquentielles, enfin, c'est... Top, moi ça me... C'est très bien. Bon, parfait, ben, c'est toi qui les voulais, hein, donc si t'es satisfaite, tout va bien. Je suis satisfaite. Eh bien, on est heureux d'avoir fait cette nouvelle vidéo avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces. N'hésitez pas à commenter également, à poser des questions si vous en avez, on sera ravis d'y répondre. On a été contents de passer ce moment avec vous. On a encore été très heureux de passer ce moment avec Olivier et Ludovic. Très belle journée, résultat super satisfaisant, sympa. Voilà. Bon, on vous fait des bisous et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut.